Je suis allé visiter Lisieux et le lieu où Thérèse de Lisieux est décédée au Carmel et visiter sa propre maison. Vous allez voir une partie de film que j'ai pu filmer là-bas. Et nous sommes allés donc dans une petite brocante et j'ai vu une petite Bible qui ressemble vraiment à 100% à celle de Thérèse de Lisieux. Vous verrez, je vous mettrai les photos qui sont tout à fait normales, en grandissant un petit peu plus pour que vous puissiez les voir. Et vous verrez que c'est tout à fait les mêmes, on dirait des copies. Donc depuis ce temps que j'ai ramené cette Bible, des manifestations se produisent chez moi. Donc je vous laisse voir la vidéo et juger par vous-même. En arrivant 8 semaines, après la messe de minuit, je savais trouver, comme au jour de ma petite enfance, mes souliers remplis de batterie. Tandis qu'elle monte les 3 escaliers, elle entend son père dire à Céline. Thank you.
Avec tout ceci, que peut-on penser? Nous sommes passés au Carmel, dans sa propre maison. Nous avons les mêmes Bibles, identiques. Est-ce donc la Sainte Thérèse qui est chez moi ou une autre entité? Nous ne pouvons savoir, mais je ferai une enquête très approfondie avec un dictaphone. Je ne prendrai pas la box spirit. Je prendrai une bougie, la dictaphone et on verra ce qui se passera. Et le cadeau. Voici ma Bible. Donc vous la voyez très bien. Alors est-ce une coïncidence? C'est tout à fait la même. Elle est identique à celle de Sainte Thérèse. Donc qu'en pensez-vous? Est-ce elle qui se manifeste toutes les nuits en entendant des bruits de pas et on dirait que ça touche au niveau d'ici? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais voir ça d'ici ces jours-ci, avec comme je vous ai dit. Voilà.